cette fillette des années 80 s'est transformée en une jeune femme sublime pour le plus grand bonheur de ses fans, ravie de découvrir qu'entre-temps, elle est aussi devenue une véritable bad girl. Voici notre petite peste numéro 15, l'irrévérencieuse et superbe Alyssa Milano. Sexy, non? Regarde. Ça suffit maintenant. Elle est très absolue, moi je rêvais de la rencontrer. En fait, elle est devenue une femme et finalement, on a envie de la protéger. C'est ça qui est sexe chez elle, en fait, cette enfant. Mais Alyssa n'est plus une enfant et sa métamorphose lui a permis de montrer au monde qu'elle était prête à jouer dans la cour des grands et de manière beaucoup plus sexy. J'adore jouer les troubles faites. It's fun. Et Hollywood a répondu avec enthousiasme à la nouvelle Alyssa en lui offrant des rôles beaucoup plus coquins. Je crois qu'on a tout en nous une part de prostituée. Alyssa Milano, c'est une bombe. Elle a une attitude très humble par rapport à tout ce qu'elle fait. À mon avis, c'est ça qui la rend aussi sexy. Face à un corps aussi diabolique, comment le désir des hommes pourrait-il faire preuve d'humilité ?